Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Datye Ina, enseignante de mathématiques, votre tutrice pour les cours de mathématiques en classe de 3e. À la leçon précédente, nous avons parlé de l'encadrement d'un nombre réel. Nous avons donné un devoir à faire. Nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui par la correction du devoir donné précédemment. Bien, à l'exercice 1, on considère le nombre réel P égale 1 plus racine carrée de 5 sur 2, sachant que 2,236 est inférieur à racine carrée de 5, inférieur à 2,237. Encadrons P à 10 exposants moins 2 près. Encadrer P à 10 exposants moins 2 près signifie quoi? Ça signifie encadrer P au centième près. C'est-à-dire qu'on va encadrer P par deux nombres décimaux ayant deux chiffres après la virgule, de telle sorte que la différence entre ces deux nombres-là soit de 0,01. Bien, voici ce que nous allons faire. On commence par l'encadrement de racine carrée de 5 qui a été donné. 2,236 inférieur à racine carrée de 5, inférieur à 2,237, signifie que 1 plus 2,237 est inférieur à 1 plus racine carrée de 5, inférieur à 1 plus 2,237. Ensuite, on calcule, ça nous donne 3,236 inférieur à 1 plus racine carrée de 5, inférieur à 3,237. Puis on divise chaque membre des inégalités par 2, on obtient 3,236 divisé par 2 inférieur à 1 plus racine carrée de 5 sur 2 inférieur à 3,237 divisé par 2. C'est-à-dire 1,618 inférieur à 1 plus racine carrée de 5 sur 2 inférieur à 1,6185. Puisqu'on nous a demandé d'encadrer au centième près, on va donc écrire que 1,61 est inférieur à P, inférieur à 1,62. Question suivante. Encadrons 5 moins 2P à 10 exposants moins 3 près. C'est-à-dire qu'avec deux chiffres, on va encadrer 5 moins 2P avec deux chiffres ayant deux nombres, autant pour moi, deux nombres décimaux ayant trois chiffres après la virgule. Et donc, la différence est de 10 exposants moins 3. Pour cela, on peut d'abord calculer 5 moins 2P. 5 moins 2P est égal à 5 moins 2 fois 1 plus racine carrée de 5 sur 2, ce qui nous donne 5 moins, entre parenthèses, 1 plus racine carrée de 5. Vous voyez que les deux se simplifient. On obtient donc 5 moins 2P qui est égal à 4 moins racine carrée de 5. On va donc encadrer 4 moins racine carrée de 5 pour pouvoir encadrer 5 moins 2P. 2,236 est inférieur à racine carrée de 5, inférieur à 2,237, signifie que moins 2,236 est supérieur à moins racine carrée de 5, supérieur à moins 2,237. Rappelons-nous que lorsqu'on a deux nombres qui sont rangés dans un ordre bien précis, deux nombres A et B, tels que A est plus petit que B, alors leurs opposés sont rangés dans l'ordre contraire. Moins A est supérieur à B. Et c'est ça que nous avons utilisé là pour pouvoir encadrer moins racine carrée de 5.
Maintenant, on peut ajouter 4 de part et d'autre des inégalités. Ça nous donne 4 moins 2,236 supérieur à 4 moins racine carrée de 5 supérieur à 4 moins 2,237. En calculant, on a 1,764 supérieur à 4 moins racine carrée de 5 supérieur à 1,763. D'où donc un encadrement, l'encadrement de 5 moins 2p à 10 exposants moins 3 près est 1,763 inférieur à 5 moins 2p inférieur à 1,764. La correction des exercices du devoir donné précédemment étant achevée, on va donc entrer dans la leçon du jour qui s'intitule « Intervalle de R ». Voici le plan de notre leçon. Comme d'habitude, nous allons d'abord présenter l'objectif de la leçon. Ensuite, on rappellera quelques prérequis. Puis, nous aurons la situation problème suivie d'une activité d'apprentissage. Enfin, on fera un exercice d'application. Et avant de nous séparer, comme d'habitude, on donnera un devoir que nous corrigerons à la prochaine séance. Parlant de l'objectif de la leçon, notre leçon d'aujourd'hui permettra à l'apprenant de la classe de 3e de traduire un intervalle par une inégalité ou un encadrement. Cette leçon lui permettra aussi de représenter un intervalle sur une droite graduée. Pour y parvenir, pour pouvoir atteindre cet objectif, on a besoin de se rappeler de la signification des inégalités et de la graduation d'une droite, l'abscisse d'un point sur une droite graduée. Eh bien, quelles sont les inégalités que nous avons? Nous avons 4 inégalités. 2 inégalités strictes et 2 inégalités larges. Les inégalités strictes, nous avons cette inégalité qui signifie strictement inférieur. Exemple, le est strictement inférieur à 3. Deuxième inégalité stricte, cette inégalité qui signifie strictement supérieur. Exemple, 18 est strictement supérieur à moins 5, par exemple. Ensuite, nous avons les inégalités larges, inférieur ou égal, supérieur ou égal. On peut par exemple dire que moins racine carrée de 5 est inférieur ou égal à moins racine carrée de 5. Inférieur ou égal signifie c'est plus petit ou c'est égal. Bien, en ce qui concerne la graduation d'une droite, pour graduer une droite, il faut déjà se fixer l'origine. Je trace une droite. Il faut rappeler que pour tracer une droite, on se sert d'une règle. C'est grâce à la règle qu'on peut tracer une droite. Alors, pour graduer ma droite, j'ai besoin de l'origine. Je marque l'origine quelque part sur ma droite. L'origine, par exemple, si l'origine c'est le point O, l'origine a pour abscisse 0. Ensuite, si je veux graduer, je vais donc définir une unité. On peut par exemple me dire que l'unité c'est 2 cm. Si on me dit que l'unité c'est 2 cm, ça veut dire que je vais me servir de ma règle. À partir de l'origine, je vais mesurer 2 cm. Vous voyez, ça fait 2 cm. Mais ici, je mets 1. Et je continue comme ça, je vais encore mesurer 2 cm et là je mets 2. Ainsi de suite, je fais la même chose à gauche, je mesure 2 cm et là je vais mettre moins 1. C'est une règle graduée pour graduer une droite. Bien, ce prérequis étant rappelé, nous entrons donc dans la situation problème de notre leçon. Un poids de 2,8 kg à 4,2 kg est considéré comme normal pour un nouveau-né. Abdou aimerait énumérer tous les différents poids normaux possibles d'un nouveau-né afin d'en faire une étude statistique. Nous avons une image là qui nous présente un nouveau-né sur une balance et on peut lire le poids de ce nouveau-né.
c'est 3986 grammes, soit 3,986 kilogrammes. Continuons la situation. Alors, Abdou aimerait énumérer tous les différents poids normaux. Mais Marie lui dit que cela est impossible car, d'après elle, il y a une infinité de nombres allant de 2,8 à 4,9. Est-ce que Marie a raison? Reprenons rapidement cette situation pour bien la comprendre. Un poids de 2,8 kg à 4,2 kg est considéré comme normal pour un nouveau-né. Donc, on dira qu'un nouveau-né a un poids normal lorsque son poids est 2,8, 4,2 ou un nombre qui est compris entre 2,8 et 4,2. Ça veut dire que si un enfant a un poids de 5 kg, il n'a pas un poids normal, par exemple. Si un enfant a un poids de 2 kg, il n'a pas un poids normal. Donc, tous les nombres qui vont de 2,8 à 4,2, tous les poids qui vont de 2,8 kg à 4,2 kg sont considérés comme normaux pour un nouveau-né. C'est ce que nous dit cette situation. Alors, Abdou aimerait énumérer tous les différents poids normaux qu'on peut donc avoir pour un nouveau-né. Mais Marie lui dit que, attention, cela n'est pas impossible. Il est impossible d'énumérer tous les nombres qui vont de 2,8 à 4,2. Est-ce que Marie a raison? Est-il vrai qu'il y a une infinité de nombres de 2,8 à 4,2? Pour répondre à cette question, nous allons faire une activité d'apprentissage. Voici les questions de l'activité. Première question, trace une droite graduée d'origine O et d'unité 0,2. Prendre 1 cm égale à 0,8. 2. Place sur cette droite les points A et B d'abscisse respectifs 2,8 et 4,2, puis renforce en rouge le segment AB. Question 3, petit A. Place un point M d'abscisse X sur le segment AB et vérifie que 2,8 est inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 4,2. Petit B. Suppose que X est égal à 2,9. Cite cinq nombres compris entre 2,8 et 2,9. Question C. Peux-tu citer tous les nombres compris entre 2,8 et 2,9? Question 4, petit A. Peux-tu citer tous les nombres réels allant de 2,8 à 4,2? B. Réponds alors à la question du problème. Question 5, enfin. Sur une droite graduée représente l'ensemble des nombres réels x tels que moins 1 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2. Nous allons traiter cette activité. Nous commençons par la première question. Traçons une droite graduée d'origine O et d'unité 0,8. On va tracer, nous avons vérifié en prérequis comment est-ce qu'on peut tracer une droite et la graduer. Là, sur le slide, vous voyez une droite qui a été tracée. On va marquer l'origine et on a 0,8. Plaçons les points A et B d'abscisse respective 2,8 et 4,2, puis renforçons en rouge le segment AB. Donc, on va continuer à graduer notre droite. Après 0,8, qu'est-ce qui viendra après 0,8? C'est 1,6. Donc, on va encore mesurer 1 cm et après, on va mettre 1,6. Ensuite, on continue ainsi de suite. Puis, on pourra donc placer notre point A d'abscisse 2,8 et notre point B d'abscisse 4,2. On nous a demandé de tracer en rouge le segment AB. C'est fait. On a le segment AB qui est tracé en rouge. Vous pouvez l'apercevoir là. Segment AB tracé en rouge. Plaçons un point M d'abscisse X sur le segment AB. On va placer notre point M qui a pour abscisse X sur le segment AB. On a bien 2,8 qui est inférieur
ou égal à x inférieur ou égal à 4,2. Vous voyez bien que x est compris entre 2,8 et 4,2. Donc 2,8 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4,2. Citons ces nombres compris entre 2,8 et 2,9. Donc supposons que x c'est 2,9. On va le faire au tableau. Donc on a, je vais tracer ma droite. Et si je mets ma droite, je vais juste me limiter à 2,8 et 2,9. Citons 5 nombres compris entre 2,8 et 2,9. Chacun peut citer à la maison. Moi, je peux citer 2,81, 2,82. 2,83, 2,84, 2,85. Qu'on n'atteigne pas, tous ces nombres-là sont compris entre 2,8 et 2,9. Alors, une autre personne peut choisir de citer, par exemple, 2,801, ensuite 2,802, ensuite 2,803, ensuite 2,804 et 2,805. D'autres personnes peuvent aussi choisir d'écrire 2,800001. C'est toujours un nombre qui est compris entre 2,8 et 2,9 et il continue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on ne peut pas citer tous les nombres réels compris entre 2,8 et 2,9. Il y en a autant, il y en a tellement. Il y a une infinité de nombres entre 2,8 et 2,9. Par conséquent, on ne peut donc pas citer tous les nombres qui vont de 2,8 à 4,2. Si on ne peut pas citer tous les nombres qui vont de 2,8 à 2,9, c'est évident qu'on ne peut pas citer tous les nombres qui vont de 2,8 à 4,2. Donc, pour répondre à la question du problème, Marie a bel et bien raison. Il est impossible d'énumérer tous les différents poids normaux d'un nouveau nombre. Alors, passons à la question 5 maintenant. Sur une droite graduée, représentons l'ensemble des nombres x tels que moins 1 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Si on se réfère à ce qu'on vient de faire dans les questions précédentes, pour représenter l'ensemble des nombres x tels que moins 1 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2, on a juste besoin de tracer une droite. On va tracer une droite. On passe le tableau. Voilà. Je vais tracer une droite. Une fois que j'ai tracé ma droite, je vais la graduer. Donc, je choisis une origine. Voilà. Je gradue. 1, 2, 3. Ainsi de suite. De l'autre côté aussi. 1, 2, 3. Voici mon origine. C'est 0. Là, j'ai 1. Ici, j'ai 2. Moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Et pour représenter l'ensemble des nombres x tels que moins 1 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2, alors tous les nombres qui vont de là à là sont des nombres. Je vais tracer ce segment en jaune, en couleur. Tout nombre x que je mettrai sur ce segment est un nombre qui est compris entre moins 1 et 2. C'est un nombre tel que moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Dont l'ensemble des nombres x tels que moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2 est représenté tout simplement par un segment de droite. Et ce segment de droite-là, représente ce qu'on appelle les intervalles. L'ensemble des nombres x tels que moins 1 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2 est un intervalle de R. On écrit donc
En résumé, nous retenons que un intervalle de R est un sous-ensemble de R, représenté sur une droite graduée par un segment ou une demi-droite. Ce sous-ensemble comporte une infinité de nombres réels. Il existe deux grands groupes d'intervalles, les intervalles bornés et les intervalles non bornés. Les intervalles bornés sont des intervalles limités, bornés, limités. Ce sont des intervalles qui sont limités par deux nombres réels. Soit A et B, deux nombres réels tels que A soit inférieur à B. Alors voilà les différents intervalles bornés que nous avons. Nous avons l'intervalle borné fermé AB, qui est l'ensemble des nombres X tels que A est inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à B, et qui est représenté par un segment de droite. Attention, au niveau du segment de droite, au niveau des points A et B, le segment, au niveau des extrémités du segment, on met des traits ou des points fermés. Des traits, comme vous les voyez ici, ou des points. On a également l'intervalle ouvert AB, qui est l'ensemble des nombres réels X tels que A est strictement inférieur à X, strictement inférieur à B. Cet ensemble est représenté également par un segment de droite, mais, vous voyez, au niveau des extrémités du segment, on met des ronds vides. Ça, c'est pour dire que les nombres A et B ne font pas partie de l'intervalle. Donc, le nombre A n'appartient pas à l'intervalle ouvert AB. Le nombre B n'appartient pas à l'intervalle ouvert AB. C'est pour ça qu'on met des ronds là. On a également l'intervalle fermé à gauche, ouvert à droite, l'intervalle AB, qui est l'ensemble des nombres X tels que A est inférieur ou égal à X, strictement inférieur à B. Vous voyez qu'au niveau de la représentation, c'est un segment de droite, au niveau de la représentation, on va mettre un trait ou un point, un simple point, au niveau de A, c'est-à-dire au niveau de la borne où l'intervalle est fermé. Là, on met un point. Mais au niveau de la borne où l'intervalle est ouvert, comme l'intervalle est ouvert ici en B, au niveau de B ici, on va mettre un rond vide. Ça, c'est pour dire que B n'appartient pas à cet intervalle. Par contre, A, là où c'est fermé, le nombre A appartient, mais le nombre B n'appartient pas. Idem pour l'intervalle ouvert à gauche en A et fermé à droite en B, qui est l'ensemble des nombres X, tels que A est strictement inférieur à X, inférieur ou égal à B. Voilà sa représentation graphique. Vous voyez qu'on a mis un rond vide au niveau de A parce que l'intervalle est ouvert en A et on met un trait ou un point, si vous voulez, au niveau de B parce que l'intervalle est fermé en B. Donc, voici les quatre types d'intervalles bornés que nous avons et ces intervalles sont représentés par des segments de droite. Maintenant, ce qu'on doit savoir, ce qu'on remarque, c'est que les nombres A et B ici sont appelés les bornes de l'intervalle. Et pour tout intervalle borné, la différence B-A est appelée amplitude ou longueur de l'intervalle. Le nombre A plus B divisé par 2 est le centre de l'intervalle. Prenons un exemple. L'intervalle borné moins 3, 5. Cet intervalle est ouvert à moins 3, fermé à 5. Alors son amplitude, pour calculer son amplitude, on va tout simplement faire 5 moins moins 3. Ou bien par la formule dit B moins A. Donc ça fait 5 moins moins 3, ce qui nous donne 5 plus 3 qui est égal à 8. Son centre, moins 3 plus 5 divisé par 2. Donc on additionne les bornes et on divise par 2, ça donne le centre. Sa représentation graphique, c'est un segment de droite, mais au niveau de moins 3, on met un rond pour dire que moins 3 n'appartient pas à l'intervalle, parce que l'intervalle est ouvert au niveau de moins 3. Et on met un trait au niveau de 5. 5 appartient à l'intervalle, parce que l'intervalle est fermé au niveau de 5. Bien, parlons à présent des intervalles non bornés. On a aussi quatre types d'intervalles non bornés. Soit A et B, deux nombres réels. Voilà les différents types d'intervalles non bornés que nous avons. Nous avons l'intervalle de A à plus l'infini. Alors, cette flèche qui va vers la droite représente plus l'infini.
Alors, cet intervalle, c'est l'ensemble des nombres x tels que a est inférieur ou égal à x. Cet intervalle est représenté par une demi-droite. C'est pour ça qu'au départ, nous avons dit qu'un intervalle de R, c'est un sous-ensemble de R qui est représenté par un segment de droite ou une demi-droite. Vous voyez que ici, pour les intervalles non bornés, on les représente par des demi-droites. Alors que les intervalles bornés sont représentés par des segments de droite. Bien, nous avons aussi l'intervalle qui est ouvert en A, qui va de A plus l'infini, qui est l'ensemble des nombres X tels que A est strictement inférieur à X. C'est représenté par une demi-droite. À la différence de l'autre intervalle, vous voyez qu'on ouvre au niveau de A parce qu'on met un petit rond au niveau de l'extrémité A parce que l'intervalle est ouvert en A. On a également l'intervalle qui va ici de moins l'infini, la flèche qui regarde vers la gauche, c'est moins l'infini. L'intervalle qui va de moins l'infini à B, c'est un intervalle qui est fermé au niveau de B. Vous voyez qu'au niveau de la représentation, on va fermer. Alors, on constate que chaque fois que l'intervalle est fermé en un nombre, l'inégalité, c'est inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Chaque fois que l'intervalle est ouvert, l'inégalité est stricte. Bien. Passons maintenant à la réunion et l'intersection de deux intervalles. Nous savons déjà ce que c'est qu'un intervalle. Maintenant, nous allons parler de la réunion et de l'intersection de deux intervalles. Soit I et J, deux intervalles de R. La réunion de I et J, c'est l'ensemble noté I union J. C'est l'ensemble des nombres réels X tels que X appartient à I ou à J. X appartient à I union J signifie que X appartient à I ou X appartient à J. L'intersection de I et J, c'est l'ensemble noté I inter J, l'ensemble des réels X, tel que X appartient à I et X appartient à J. Alors les notions de réunion et d'intersection ne sont pas nouvelles pour vous, apprenant de classe de 3e. Ce sont des notions qui ont été vues depuis la classe de 6e et même depuis le primaire. Bien, X appartient à I inter J signifie que X appartient à I et X appartient à J. Passons maintenant à un exercice d'application pour nous rassurer que nous avons compris la leçon d'aujourd'hui. On désigne par I l'ensemble des réels X tels que moins 3 est inférieur ou égal à X, strictement inférieur à D, à 2 autant pour moi. Et J l'ensemble des réels X tels que X est supérieur ou égal à moins 1. Première question, traduis les ensembles I et J en intervalles. Deuxième question, sur une même droite graduée, représente les ensembles I et J, puis déduit de cette représentation I union J et I inter J. Nous allons corriger cet exercice d'application. Commençons par la première question. Traduisons les ensembles I et J en intervalles. Alors, I, c'est l'ensemble des nombres X tels que moins 3 est inférieur ou égal à X, strictement inférieur à 2. Ça veut dire que X appartient à l'intervalle borné, fermé en moins 3 et ouvert en 2. Fermé parce qu'ici on a inférieur ou égal, ouvert à 2 parce qu'on a strictement inférieur à 2. Donc I c'est l'intervalle moins 3, 2. X supérieur ou égal à moins 1, ça signifie que X appartient à l'intervalle non borné, moins 1 à plus l'infini. C'est fermé au niveau de moins 1 parce que l'inégalité est large. Donc, l'intervalle J, c'est l'intervalle moins 1 à moins l'infini. À plus l'infini autant pour moi. L'intervalle J, c'est l'intervalle de moins 1 à plus l'infini. Bien, maintenant, la dernière question. Sur une même droite graduée, nous allons représenter les ensembles I et J, puis nous allons déduire la représentation de l'union et de l'intersection de ces ensembles. Nous allons le faire au tableau. On va le faire au tableau. Nous allons effacer notre tableau. Pour représenter un intervalle, nous l'avons dit, on doit tracer une droite qu'on va graduer. On gradue notre droite. On a besoin d'une règle graduée pour tracer une droite et la graduer. Bien, on choisit point comme origine, 0. On a notre intervalle
qui va de moins 3. Je vais d'abord graduer ma droite. J'ai 1 là, 2, 3, ainsi de suite. De l'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3. Bien, nous allons donc représenter l'intervalle I qui est l'intervalle moins 3 à 2. Moins 3, 2. Nous avons vu que c'est un intervalle borné. Sa représentation est un segment de droite. Je vais représenter cet intervalle en jaune. L'intervalle borné moins 3, 2. C'est un intervalle qui est fermé au niveau de 3. Donc, je mets un point ou un trait au niveau de 3. Mais ouvert au niveau de 2. Donc, au niveau de 2, je vais mettre un rond. Voilà. Voilà notre intervalle I. Et maintenant, on va représenter l'intervalle J, qui est l'intervalle qui va de moins 1 à plus l'infini. Donc, comme on n'a pas une autre clé de couleur, on va assurer cet intervalle plutôt. On va l'assurer avec la craie blanche. L'intervalle qui va de moins 1 à plus l'infini, c'est cet intervalle. Ça commence là. Donc, ça commence ici, à moins 1, et ça continue indéfiniment. Je vais assurer. Je vais assurer. Voilà. Indéfiniment. Voilà l'intervalle J qui a été assuré. Alors, l'intervalle est fermé au niveau de 1, donc on va mettre un point là au niveau de 1. Et maintenant, la réunion de I et J, c'est la partie de la droite qui est représentée soit par mon segment qui représente I, soit par ma demi-droite. On voit bien que la partie de la droite qui est représentée par I ou par J est tout simplement toute cette partie-ci. Je vais la tracer en bas. C'est toute cette partie-ci. Alors, et cette partie-ci représente quoi? Ça représente l'intervalle moins 3 à plus l'infini. Donc, I union J est égal à moins 3 plus l'infini. Ça, c'est J. Et en jaune, c'est I. Maintenant, l'intersection, c'est la partie de la droite où coïncident les deux représentations, où coïncident les deux intervalles. Alors, regardons bien, on a cette partie-ci, c'est-à-dire la partie qui va de moins 1 à 2, qui fait coïncider en même temps l'intervalle I, qui est en jaune, et l'intervalle J, qui est assuré. Ainsi, I inter J est égal, voilà I inter J, c'est égal à l'intervalle moins 1. On va fermer à moins 1 parce qu'il y a un point là, mais au niveau de 2, on va ouvrir. On voit bien, il y a un rond. Bien, cet exercice d'application étant fait, j'espère que nous avons bien compris la leçon d'aujourd'hui. Avant de nous séparer, nous allons donc donner un devoir que nous allons corriger à la prochaine séance. Voici l'exercice 1 de notre devoir. Traduis chacune des relations suivantes par un intervalle, représente cet intervalle sur une droite graduée et donne trois nombres appartenant à cet intervalle. Vous avez les trois intervalles devant vous. Il n'y a pas que trois intervalles, il y en a six, il y en a cinq, autant pour moi, cinq intervalles que vous devez traduire, cinq inégalités, cinq ensembles que vous devez traduire par des intervalles et représenter sur une droite. Exercice 2. On donne l'intervalle A égale à moins 3,5, 2,5 et l'intervalle B égale à 1, 4. Calcule l'amplitude et le centre de A et B. Représente A et B sur une même droite. Et déduisant A inter B et A union B. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Notre prochaine leçon portera sur les expressions littérales. À la prochaine. On ne t'aime si ma terre est yop. On ne t'aime minga ma terre est yom. On ne t'aime ma jang ma terre est dom. Mané tambia niña ne injobia yen. Ngani bana ma terre est mot. Ngani la kiri wa terre est dom. Esse qui na bia dinkido. Mané tambia niña ne injobia yen. Tam tama mote tam zabike. Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña.